Yo tout le monde, c'est Thiop, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. Avec le son, ce sera mieux. Voilà. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Ah oui, on s'est arrêté à... Ah, on faisait un trou parmi nos ennemis. Ah! Il y a un trou parmi notre trou. Un trou dans notre trou, mince. C'est pas grave. Ah oui, voilà, je voulais aller à Polonia, mais apparemment on n'a pas la portée. Ouais. Une erreur de parcours, comme on dit, hein. une erreur de jeunesse. Tac, allez. Avançons gaiement. Ah bah il y a intérêt que ce soit tout de suite. Je te paye pas pour un. Masgat, oui, voilà, on va pouvoir faire un bon port à Masgat. Ok. Et je vais retourner à Akia. Un tour avant les octères égyptiennes. Oui, octères d'infanterie d'assaut et octères tour lourde. Ok. Ok. Ah, je voulais faire un petit débarquement aussi par là, mais j'ai vu qu'il y avait une grosse flotte de pompiers. Bah, je me demande si c'est pas celle-là. Hein. Ouais. À se méfier quand même. Les Gétules, ils font le travail. Tranquillement, mais sûrement. Voilà, faisons un petit acte de pyromanie. Ah, c'est pas vrai, même 75% il se brûle lui. Oh là là. Ah, il serait le corps entier dans l'eau en train d'essayer de mettre le feu à quelque chose, il se brûlerait quand même. C'est fou ça. Allez, on va adopter Monsieur Diodotos. Un bon amiral d'ailleurs. Tac, 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 tac. D'ailleurs, pour Amiral, il a une bonne promotion, hein. En vrai. Fou. Ah ouais, il fait ça bien. Cléopâtre. Ah, elle commence à vieillir un peu, hélas. Ah, ça, c'est pas bon. Là, je rattrape tout, hein. Ah oui, c'est vrai que lui, il s'était fait poncer. Voilà, comme on gagnait 14 000 de tours par tour. 4 000 de plus par tour. 14 000. Ça ferait beaucoup quand même. Bref, je parle. Ah. Je parle et je fais. Un trap. Je sais plus comment ça fait une interception. Oh, ça va les pertes, tranquille les gars. Peu de cavalerie auxiliaire. Ah. C'est embêtant en vrai la cavalerie auxiliaire. Ah ouais, bah oui, c'est une belle interception ça. Pff, n'importe quoi. C'est clairement pas mon avantage là, il a de la baliste en plus. Pff. Pluie, oh bah super. Pluie. Oui, ah. Ah bah dis donc. C'est pas beau par là. Hein. Voilà. Ouais, mais il a de ça. Ça c'est nul. Vous savez quoi, je vais passer par la forêt. Et grâce à la forêt, je devrais pouvoir arriver assez facilement au corps à corps. On va donc sans me faire voir. Ah bah y a intérêt. Selon les ordres de qui sinon, hein?
Allez, on accélère, je vais juste rentrer dans le bois là, et voilà. Que personne ne me voit. Hop. Voilà, moins on me voit, moins je me prends des tirs. Il se fait voir. Est-ce qu'ils réagissent? Non. Hop. Ok. On va étendre le front. Hein. La cavalerie par là, ouais. La cavalerie, merde. Alors, je vais jouer en normal. Et eux là, je vais faire courir à fond. Et là, général, je vais l'envoyer, mais. C'est en marche forcée? Ah oui, c'est en marche forcée, mais purée. On dirait pas. Ah, il faut que j'arrive le plus vite possible au corps à corps. Tout le monde à la course, sauf le général. Moins long. Plus tard, il se fait voir, plus tard, il se prendra des dégâts. Bingo, allez hop. Allez, on envoie le général à fond là sur la baliste, parce qu'apparemment ils veulent bouger. Hop. Hop, attention. Allez hop, on va se mettre bien comme ça. Hop, là on reforme une ligne contre cette cavalerie là. Merde, on a le favorité, mais on a général plein dedans, il va se prendre des dégâts lui. Ok, là on a réussi à accrocher. Hop. Là on a accroché, ouais, à peu près comme il faut normalement. Ouais, les pics sont dans le bon sens. Bien, mettre tout le monde comme ça, c'est où là que ça a pris cher? Oh, les gars, allez, on envoie la cavalerie très lourde, cavalerie de choc. Ah merde, il faut absolument là que toutes ces cavaleries elles envoient dessus. Ah, j'ai une grosse perte là au niveau du centre. Hop, là on détourne, on contourne, je veux dire. Bon là il m'embête, hop. Ah là là, ça tira plus. Là, ils ont pris des pertes, mais pas assez à mon goût.
Hop, 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 arrête, tu fais plus de pertes à tes alliés qu'autre chose. Là, sinon, il arrive un jour. Ouais. Ok, je veux que tout le monde se replace. Voilà, enfin. Ça va, les gars, t'es tout seul là? T'as pas. Non? T'as du moral, toi, hein? Purée. Ok, on arrête le feu à volonté. Bon, là, on est derrière, là, on est bien. Voilà, on attire un petit peu là les unités ennemies, de toute façon on va rien pouvoir faire. Je sais pas ce qu'il croit faire là. Bon, bah lui on va le faire retourner hein, vu que. Par contre faudra se grouiller quoi, hein, un petit peu, non? Hop. Là, vu qu'ils sortent, bah écoutez les gars, c'est gratuit. Hein. Sortez, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est du tir par l'arrière là. T'as bien fait de, vous avez bien fait de partir les gars. Allez, on va faire une charge d'ailleurs. Hein. Voilà. On va continuer, on va en tuer le plus possible quand même. Voilà, on va faire double rangée. Comme ça protégera nos unités. Ah zut, on part en tir à volonté. Ces légionnaires. Ah bah dis donc, ils sont costauds, hein. Un petit coup de morale au cas où. Sur ça, on optimise un petit peu les dégâts. Ok. Petite victoire. Je t'ai donné perdant. Hein. Enfin, ou 50% de perte. Bon. Je pense que j'ai fait un peu moins de 50% de perte. La baliste, quand même, qui m'aura embêté. Ouais. 100 dégâts. La baliste, elle est bien chiante. J'ai perdu Thessaloniki. Mais comment? Enfin, j'avais une armée de garnison quand même, ça faisait quelques tours. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas grave. Allez, passe ton tour. Oh là là, ils sont longs. Enfin, un tour qui passe, c'est une vie entière là. Allez, Kidri, tu peux le faire. Allez, Paraden, les derniers. Enfin. Oui. Bon, c'est. Ah, bah, purée. Hop. Toi, je sais ce que t'as essayé de faire. Je. Ne dis rien, j'en ai trop dit. Bon, à toi. Hop, tiens, meurs, s'il te plaît, mets en silence. Voilà.
n'en parle plus. Qui est... Oh, mais non, mais sérieux. C'est chiant là. Vous avez combien de millions d'armées là? Bon, attendons. Fortification. Voilà, viens, je t'attends. Tiens, d'ailleurs, je vais enfin pouvoir recruter ici. Oh, ça coûte cher. Ça coûte cher. Après, ça vaut le coup aussi. Hein. Ça crame bien là. Ça fait je sais pas combien de tours que. qui subissent le blocus. Ouh. Ah, ils ont beaucoup de pertes en plus. Hein. On continue le blocus. Hein. Et d'ailleurs, on va continuer à recruter. Oh là, ah oui, j'ai louché. Autant pour moi. Deux éléphants. Quatre nagres lourds. Un peu plus de piqué, tiens. Ah, c'est du piqué. Il est autorax en plus. Ah, c'est pourri. Mais c'est du piqué simple, je veux dire. Ah, c'est pourri. Voilà, 6. On n'est pas trop mal. Et on ira embêter nos ennemis. C'est moi ça? Ah. Il y a du monde en mer hein, par là. Hein. C'est où là? C'est très peuplé. Hein. Ah oui, c'est vrai que mon général, mon champion s'était brûlé les mains. Allez, Pompée, viens m'attaquer, s'il te plaît. C'est chiant, on s'ennuie. Mais quel chien! Sérieusement? Il m'attaque pas, il réussit à tuer un de mes. Mais sérieusement? Purée. Du coup, je perds ma cavalerie. C'est magnifique quand même. Je perds ma cavalerie que j'avais spécialement pour ça. Oh là là. Oh là là, les gars, je vais m'énerver là. Je te jure que je vais commencer à m'énerver. Je vais envoyer. 5-6 armées sur Pompée là et on va plus en parler de lui hein, parce que ouh comment ça me pomper là si j'ai envie de dire. Façon je peux mettre tout ça parce que j'ai pas de cavalerie, j'en ai plus. À cause de qui, à cause de quoi, je ne sais pas. Piquer donc ils vont faire les dégâts qu'il faut. Ici je préfère mettre les piquets moins bons parce qu'ils vont se prendre des dégâts de côté. Hop ouais. Ouais, il me restera deux à placer. Et mes unités à distance ici. J'oublie personne, c'est parti. Ça va être tendu là. Purée, à cause de ça. Et à cause de ça. Je sais pas s'ils ont la portée. Ouais, ils vont avoir la portée. Hein. Ça, on les
En mode garde et pas de faire monter, ça sert à rien. Les chevaux de frisco, on fait le café. Tirailleuse à Goro. Je vérifie qu'elles veulent pas tirer sur. Qu'elles ne tirent pas sur mes archers. Oh là là. Je vais reculer ces unités. J'ai pas trop le choix. Est-ce que lui me fait mal? Ah les gars, vous n'êtes pas encore arrivés, hein. Vous avez encore un peu de chemin à faire. Allez, on va faire feu là-bas. Là, la cavalerie elle aura tenté, mais ça ne sert à rien. Voilà, on fait feu là sur le général ennemi. Les murs, ça dit quoi? Oh, ah d'accord, il tire sur ma tour à flèche, ça c'est bien ça. J'en ai rien à fiche de ma tour à flèche en vrai. C'est pas pour les dégâts que ça fait. Aïe, aïe. Ça pique par contre. Je vais rapatrier deux de mes unités et les mettre comme ça. J'ai pas trop le choix là, j'ai un. Là ils ont bien percé. Ici s'ils avancent, c'est. Galère. Donc on fait bien pleuvoir les flèches, voilà, pas mal de pertes au niveau du général ennemi. Un des généraux. Un des généraux. C'est. Et puis on a beaucoup de munitions en plus. Attends, ça tire sur mes unités là, c'est ouf. Tirailleuse à Goro derrière qui tire sur mes unités là. On va les tuer. Le principe pour les Levesse là après. Allez les gars, on vide nos flèches. Allez plus vite que ça. Par contre eux ils font plus mal. Donc priorité au tirailleur. Au Levesse pardon. Il a été tir sur les Levesse. Allez les gars, s'il vous plaît. Wouah. Il m'a fait mal lui. Hop, allez, on tire. On continue, on continue. Là, ça tire où? Là, ça tire loin. Rien à fichtre. Maintenez. Hop, on tire là. Ça tire où ça? Oh là, ça. Ouais, vraiment, ils ont vraiment tiré sur l'arrière quoi. Hop. Allez, première cohorte là. On tire sur. Ouais, non, sur lui en fait. On envoie tout les gars, je veux pas savoir. J'ai pas l'impression qu'il soit bien mis lui. Hein. Hop. Ah, ils vont aller trop loin là si je leur. Ok, là j'ai l'impression qu'ils tirent un peu trop sur nos unités. Donc on va les faire tirer un peu derrière. Lui il va tenir, c'est pas le problème.
Plus beaucoup de munitions, j'en ai déjà utilisé un paquet. Cas, ça fait pas tant que ça de dégâts. Ah, c'est triste. Parce que j'ai quand même pas mal tiré là. Beaucoup de munitions. Apparemment très très peu qui touche. Hein. C'est quoi, on va en prendre deux, on va leur dire faites des tirs enflammés. Ça devrait donner un petit coup au moral aussi. Ah bon, évidemment, parmi les deux que j'ai choisis, ce sont les deux qui tirent pas en cloche. Toujours pas, hein, ça me... ouais, ils veulent pas tirer en cloche. Hein. Bah, bon, bah tu sais quoi, toi, hop. Les deux là, vous allez tirer là-dessus. Aïe aïe aïe, ça pique ça. Celui-là aussi, il a piqué. Hein. Ça donne quoi là? Oui, oh, ça mourra tranquillement. Hop, voilà, on va faire reculer eux. Ils ont aucune raison de rester. Le même principe, je vais les ramener. Voilà, pareil. Ah, ça essaye de passer là. On va les emmener en renfort. C'est pas loin de passer même. Les tirs de base, là, les tirs enflammés, ils servent à plus rien. Sinon, vous avez beaucoup encore de munitions là. Non, c'est chiant. C'est piqué, je vais le faire sortir et je vais le faire aller là-bas. Si je veux tirer, il tirera en même temps sur ses alliés. Si je m'avance. Ouh la vache, le bouclier lui. Ah non, c'est pas le bouclier, c'est une pierre. Ouais, plus qu'à accélérer. S'ils veulent bien. Ils sont lents, ils se sont oubliés là derrière. Bon, au moins ils tirent sur une unité et ils cherchent pas à tirer sur le tas. C'est pas forcément plus mal. Ok. On va mettre en phalange. Allez, on les fait courir vite. Possible s'ils pouvaient éviter aussi de rester en ligne, tu vois, bien connement comme ça. Alors on continue, je vois qu'on peut faire quelques victimes de ci de là à pied. Voilà, là ça tire là. Hop là. On va mettre un peu la pression.
Non, il est perdu là, je sais pas ce qu'il fait. Il essaie de passer, je sais pas pourquoi. Contourne pas, tiens, c'est original. Pourquoi pas? Allez, ça te suffira. 4359 pertes en face, 500 de mon côté. Putain, il y a une unité qui a fait 1389 pertes. À deux, ils ont fait 2000 pertes. À deux, ils ont fait la moitié, tout simplement. Ah zut, les artilleries. Allez, on les tue, on n'a pas besoin de spécialement d'argent. Un Polonia. Je vais lever une flotte au niveau de Carthage. Même si elle a des unités pourries, je compte sur la supériorité numérique de mes armées de terre et mes armées de et mes armées des flottes. Oui, voilà, avec grand plaisir. Ouais, c'est bien, ça commence. Lui non, parce qu'il est en guerre avec mes alliés. Ah, j'ai vraiment perdu une... Ah, ça m'énerve, ça, par contre. C'est lui qui est mort? Je sais plus. Ah non. Ah, c'est... Ça doit être elle, méga. Oh là là. J'appelle à la vengeance. Carthage. Levez une flotte. J'en ai besoin. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Voilà. Attaquer sur deux fronts, il commence à m'énerver. Voilà, là il y a quoi? Il y a que dalle. Et bien évidemment, je ne peux pas. Parce que mon général vient de se. De réapparaître. Il vient de se reconstituer. Faites-vous plaisir les gars. Voilà, et là j'irai l'aider le tour d'après. Enfin, quand ici j'aurai recruté tout ce qu'il faut. Là on a ce qu'il faut ici, ici. On a 4 balistes. Un peu d'unité de corps à corps hein, quand même. Je vais en recruter un peu. Ouais, des bretteurs à ligne de thorax pour les... Pour les à les flancs, voilà. Je cherchais le mot, cherchais le nom du gâteau. Encore une fois, Pompée qui met pas mal de tours, Lépide qui met pas mal de temps, qui met pas mal de tours, oui. Lépide, pareil. Lépide, ah oh, bah dis, décidément, je sais plus parler moi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est bien, il commence à bien m'aimer. Assassiné. Oh, c'est pas vrai ça. Ne dis pas que j'ai encore perdu un général. Mais c'est fou. Attends, quoi? Je sais pas si c'est... Ah mais faut arrêter! Faut arrêter! Ah là là!
commence à me gonfler, lui commence à sérieusement m'énerver là. Tu sais quoi? On va y voir, alors si j'y suis. Ah ouais, mais là je suis en plein sur le chemin, il va vouloir passer. Tu veux pas la faire tomber, genre comme ça. Enfin, on a tour ici. T'as vraiment besoin de faire un siège. Ah là là. Ah oui, voilà, je l'ai oublié. Bah lui, j'ai oublié, mais genre. Ça fait un nombre de tours que je l'ai oublié, le pauvre. Il est en mode. Mais bonjour, en fait, je suis là. Tu. Non? Ah non, non. Allez, on va terminer ce dernier tour. Oui. Je maintiens le blocus tant que je dis pas le contraire, en fait. Moi, les bonnes nuits, les gars. C'est fou. Non? Oh, bah dis. Il y a du mieux, il y a du mieux. Ah, bonne nuit, deuxième partie, oui, c'est ça. Oh, quelle générosité! M'aider à gagner comme ça. Bon, bah, il va finir là-dessus, hein. Bonne résolution agressive. Je pense, vu le nombre de navires, je ferais pas mieux manuellement. Je ferais largement pas mieux, hein. On est quand même sur du 2230 contre 6000, 7800. 13. Ouais, c'est très bien ça. Hop. On réduit les esclavages. On réduit en esclavage parce que là ça fait pas mal de monde quand même. Tout cas, bien joué les paradènes. Hein, c'est. Ah ouais, c'est efficace hein, ce que vous nous avez proposé là. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec une belle bataille quand même pour finir. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de vous retrouver demain. Je vous propose de me retrouver, de me retrouver, de me retrouver. Oui, c'est mieux comme ça. Demain pour le prochain épisode. Allez, c'était Tchub. Ciao!